Avec l'élimination des Russes qui sont tombés, il faut quand même le dire, sur une excellente équipe de Bulgarie, une équipe de Bulgarie que l'on va revoir encore et encore dans ce programme, car ils vont aller très loin. Le deuxième quart de finale opposait l'équipe d'Ukraine à l'équipe d'Allemagne, l'équipe d'Allemagne qui est venue ici à Bercy sans Alexandre Wecker. Andreas Wecker, pardon, Wecker qui a pris sa retraite il y a une dizaine de jours. Résultat, c'est Valérie Belenki, l'ancien Kazakh, ancien membre de l'équipe de l'Union soviétique et de la CEI, qui se retrouve comme chef de file ici. Il évolue un de ses agrès préférés, à savoir les anneaux. Après les épreuves de force, équilibre à plus tendu, renversé, suivi un grand tour soleil. Beaucoup de maîtrise pour ce gymnaste qui n'en est pas à sa première compétition. Et double tendu avec vrille. Valérie Belenki, il était monté sur un podium olympique, c'était à Barcelone en 1992. On l'avait retrouvé troisième au concours général à Atlanta. Ça n'a pas été la même musique.